Je te propose un moment de tranquillité. Un moment pendant lequel personne ne viendra te déranger. Choisis un endroit où tu te sens bien. Et maintenant, tu vas t'isoler de ce monde. Tu vas poser ton corps. Tu vas même venir t'allonger. Et tu peux fermer les yeux si tu le veux. Tu vas mettre les mains sur ton ventre et tu sens les mouvements de ton ventre à cause de ta respiration. Sens ton ventre monter lorsque tu prends de l'air et descendre lorsque tu souffles. Suis ces mouvements calmes et réguliers. Prends le temps de bien déposer ton corps, de t'installer confortablement. Sens ton corps devenir lourd, comme s'il s'enfonçait dans le lit ou le fauteuil. Tu te sens bien et détendu. Aujourd'hui, tu as peut-être vécu quelque chose qui t'a fait honte. Tu te sens toute gênée. Tu te sens très mal à l'aise. La honte n'est pas du tout agréable à vivre. Et tu te sens même coupable de quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons effacer ta honte ensemble. Je te propose de te laisser venir dans un endroit magnifique. Cela peut être un endroit que tu connais déjà ou un endroit que tu peux inventer. C'est un endroit avec un joli jardin. L'herbe est très verte. Les arbres sont très grands. Tu marches d'ailleurs sur l'herbe qui te chatouille les pieds. C'est tellement agréable. Tu peux courir. Faire des galipettes dans ce jardin. Tu prends le temps de t'amuser. C'est tellement agréable que tu prends le temps de t'allonger dans l'herbe et d'écouter les bruits. Peut-être ceux des oiseaux, les feuilles des arbres qui bougent avec la brise. Prends le temps aussi de sentir les odeurs. Et peut-être aussi as-tu envie de regarder autour de toi le ciel, le soleil. Et tu prends le temps d'admirer ton corps posé sur le sol. Tu sens tous les points de contact avec lui. Et quand tu inspires, tu laisses entrer en toi toutes ces sensations, ces odeurs, ces bruits. Ces images. Puis soudain, une gomme apparaît au-dessus de ton visage. C'est une gomme magique. Elle est magique parce qu'elle a le pouvoir d'effacer la honte en toi. La gomme magique permet de détendre tout ton corps. Elle t'apporte de la douceur. La gomme magique vient se poser d'un coup sur le sommet de ta tête. Et tu sens ta tête se détendre. Toutes les idées qui te font mal disparaissent. Puis la gomme glisse sur ton visage comme une caresse. Ton visage se détend et il devient tout doux. Ta gomme continue et touche ton cou, ta gorge. Et le nœud que tu avais à cause de la honte disparaît comme par magie. Tout est calme et détendu. Puis elle glisse encore sur un de tes bras, de ton épaule jusqu'au bout de tes doigts. Tu la sens passer
entre tous tes doigts qui se détendent un par un. Puis elle passe sur l'autre bras, de l'épaule jusqu'aux doigts. Et la honte qui t'empêchait de bouger s'efface d'un coup de tes doigts. Tu sens tes deux bras qui deviennent très souples et très lourds. Ils s'enfoncent comme dans un nuage. Et ton dos devient alors tout détendu aussi. Ton dos, il s'enfonce aussi dans le nuage, tout moelleux. Puis la gomme magique continue et glisse sur ta poitrine et ton ventre. Ta poitrine, ton ventre, tous les deux sont détendus. Le nœud que tu avais dans le cœur, cette honte qui te causait du chagrin, elle a disparu. Et ton cœur maintenant bat calmement. Et l'énorme boule au ventre que tu avais, qui te faisait mal à cause de la honte, s'est maintenant envolée. Et ton ventre est léger. La gomme magique glisse alors sur tes jambes. Elle caresse ta cuisse, ton genou, ton mollet, ta cheville et ton pied. Elle passe même entre les orteils. Et elle fait la même chose avec l'autre jambe. Et la honte qui t'empêchait de bouger disparaît maintenant. Tes jambes deviennent légères et calmes. Et elles s'enfoncent aussi dans un nuage moelleux. Et tu t'en sens de plus en plus détendu. Maintenant que tu es bien apaisé, tu as envie de chasser les derniers nuages qui sont dans ton corps. Tous ces nuages gris que ta honte a créés en toi. Tu as envie de parler et de dire ce qu'il ne va pas. Tu veux dessiner un arc-en-ciel pour ton corps, lui redonner des couleurs. Imagine voyager à l'intérieur de ton corps. Il y a plein de nuages tout gris, tout noirs partout. Et là, quand tu voles un peu plus haut, tu vois un arc-en-ciel caché. À qui il manque des couleurs ? Au pied de l'arc-en-ciel, tu vois des feutres de toutes les couleurs. Tu commences alors à colorier ce pauvre arc-en-ciel tout triste. Tu mets du rouge à un endroit. Puis tu peux mettre une autre couleur, une couleur que tu aimes, quand tu as fini. Tu continues et tu mets du orange. Et quand tu as fini, tu peux mettre du jaune et tu colories une autre partie de l'arc-en-ciel avec. Oh, et tu t'aperçois qu'il y a aussi du vert et tu colories avec cette couleur qui te rappelle le jardin magnifique. Puis tu vois qu'il y a plein de bleu, du foncé au plus clair. Alors tu en mets. Tu peux même mettre d'autres couleurs, comme le violet ou d'autres que tu aimes beaucoup. Et tu admires ton arc-en-ciel. Il est magnifique. Et tu vas finir en prenant une dernière couleur. Une couleur qui te rend calme. Une couleur qui te détend. C'est une couleur que tu aimes énormément. Cette couleur, lorsque tu es agité, lorsque tu as honte, elle te calme. Cette couleur, tu peux choisir où tu veux la mettre dans ton corps. Les parties où la honte te fait le plus mal. Tu la mets partout où tu en as envie. Peut-être la tête, ton cœur, ton ventre, tes bras, ou bien tes jambes. C'est à toi de choisir. Je te laisse faire. Inspire profondément, remplis ton corps d'air et expire.
souffle fort. Quand tu souffles, la couleur se diffuse partout dans ton corps. Inspire, prends plein de couleurs en toi, cette couleur de la détente. Et souffle, mets la couleur détente partout en toi. Et fais-le encore une troisième fois. Inspire. Et expire. Souffle fort pour mettre ta couleur détente partout. Et reprends une respiration normale maintenant. Lorsque tu as honte, je t'invite à prendre ta couleur détente et à la mettre sur toi, comme tu viens de le faire. Pour que cette couleur chasse les nuages. Maintenant, il est temps de repartir. Tu dis au revoir à ton arc-en-ciel, qui a chassé les nuages en toi et qui t'a redonné des couleurs. Tu reviens dans le jardin et tu te concentres sur les points d'appui de ton corps. Tu sens l'arrière de ta tête, posé, tes bras, ton dos, tes fesses et tes jambes. Tu vas commencer à respirer plus fort et à remuer tes orteils et tes jambes. Puis doucement, tu vas remuer tout ton corps. Et quand tu le voudras, tu ouvriras les yeux.